Quel dommage. Bah si ça monte par contre... Si vous croyez que je vais vous suivre indéfiniment, vous vous trompez. Hein. Légendaire. C'est merveilleux. C'est tout bonnement merveilleux. Ah. C'est pas prévu, mais ok. J'étais pas sûr de mon coup là, hein, je vous avouerai. Oh là, 800 points de dégâts là. Avec notre troisième arme. Notre pseudo-lance hein, qui sert en vérité de masse d'armes. Attends, 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 attends. Nice, nice, nice. Bon, du coup, c'était pas par là. Encore une fois. Alors que c'est quand même très bien indiqué sur la carte, hein, mais je sais pas. Je me laisse tellement aller à mon défouloir là que je fais strictement n'importe quoi. Bien, et donc maintenant on a un. Pillier, hein, le fameux pillier qu'on avait débloqué la dernière fois mais qu'on n'avait pas utilisé pour rentrer à la maison. Dans quel état en est notre estomac? Telle est la question. Il est quasiment plein, on va rentrer cette fois au bercail. Faire un petit peu d'équipement et ensuite... On va repartir de plus belle vers le château de Prime. Pour pouvoir atomiser bah, encore une fois ces troupes de type Manania. On va voir ce que ça donne. Équipement, équipement, équipement. Qu'est-ce qu'on a par ici? Rare, 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 commun, blabla, Osef. Deux, trois épiques par ici. Peut-être que lui va pouvoir se faire remplacer. Plus 15% pour les bâtons. Mais c'est trop bien. Oui, c'est plus 15% pour les marteaux. Ouais, je regarde aussi. Witch Orange, bah oui. Bah oui, bah bien sûr que je veux ça. Voilà. Tous les bâtons deviennent encore plus ouf. Lui, pour le coup, qu'est-ce qu'il a dans les légendaires, là? 1% en lance. Si je mets le truc de titan, là. J'ai envie, quand même, hein. Ça, c'est moins défensif, mais... J'ai quand même envie, hein. Ça là il fait la race de dégâts. Il fait juste trop mal. Ok. Ensuite. Alors j'ai des épées épiques rang 6. C'est des haches en slash. Marteau. J'ai des blunts. Après ça part sur du rare et du commun. Alors j'ai un marteau épique rang 6. Lui il est rang 4. Donc je pourrais sûrement faire un petit remplacement là. Petit remplacement ici. Il suffira de l'améliorer un peu et ça va passer crème. Ça c'est du rang 5. Ça c'est du rang 6. Rang 5. Non, c'est un rare, ok. Et ici, du coup, dans les épiques, j'ai quoi? J'ai du rang 4 là, rang 5, rang 4. J'ai deux rang 4. Ok, j'ai une épée en slash. On va remplacer ça. Voilà. Donc après, bah, va falloir faire un petit peu de fabrication, hein. Pour améliorer tout ça.
L'équipe avant tout. Moi, je pourrais faire le niveau. Bon, quoique. Donc. Il y a lui que je voudrais améliorer. Il y a l'épée chelou là. Celle-là. Ok. Maintenant qu'ils ont été un petit peu... un petit peu rentabilisés. Non, marteau j'ai déjà fait du coup. On va améliorer le reste. Ce qui est lance. Protection. Je suis toujours sur mon rang 1. Là. Puis tu améliorer mon rang 4, non? Bâton magique. Ok. Épée j'ai déjà fait. Spear. Et c'est tout. Ensuite, tout ce qui relève des accessoires et les catalyseurs. Quelle arme est-ce que j'augmente à fond ? Allez, lui. Ah, j'atteins la limite parce que je l'ai pas encore amélioré en termes de level. Terrible. Vu que j'augmente son level là. Ah non, j'ai pas le droit. Ok. Faut que j'enlève les catalyseurs. D'abord que j'augmente le level avant de pouvoir mettre les catalyseurs. Ok. Et une armure. Ah. Ah oui, quand ils me préviennent, c'est que c'est trop tard déjà. Okidoki. Ah non, ça c'est une arme, il faut une armure. Bon bah du coup, on va améliorer celui-là. Hein. Ok. Maintenant, on va vendre de petits cristaux. Parce que j'ai besoin de thunes là. J'ai besoin de thunes pour acheter des objets de soins. C'est vraiment un problème là. Depuis le dernier buzz. Ok. Je peux même acheter lui. Voilà. Je suis à 9, 10, 2 là. Ça va mieux. Et niveau équipement, on est maintenant 417, 216, 463, 160, 678, 280. Tout va bien. Comme ça, même quand je joue n'importe comment, comme le dernier boss, finalement, globalement, ça va. On s'arrange.
Et maintenant, ça va être straightforward. Où j'aille vers l'est, full est. Je crois qu'il n'y a aucun détour, on va revérifier rapidement après sur la carte. Mais ça va vraiment être tout droit, tout droit, tout droit, et en avant vers l'histoire. Petite vérification. Ah, c'est bien ça. C'est bel et bien ça, et ben en avant. En avant vers l'est. Bah, comme d'habitude, combattre quelques monstres au passage, hein, pour se faire un peu de level. Un petit peu d'XP, un petit peu de loot standard. Il n'y aura pas de gros gros détours. Oui. Compris. Je vais prévenir Dame Amali. Nous avons reçu un rapport de la part de Lady Lisa. Nous sommes maintenant étendus sur 6 lignes de front. Et Prime a été vue sur chacune d'entre elles. Ce qui amène le nombre total d'instances de Prime à 10. Je me demande combien d'énergie il reste à Prime. Je ne saurais le dire. Mais nous allons continuer de donner des assauts et espérer qu'elle finisse par ne plus en avoir. J'étais inquiète à ce propos. Mais est-ce que Prime elle-même va venir sur le champ de bataille? Si c'est la sorcière la plus puissante, elle pourra probablement détruire une division entière rien qu'à elle. Il semblerait qu'il soit plus simple pour elle de nous engager directement plutôt que de se démultiplier en des fragments. C'est vrai. Lady Sophie a prédit qu'elle ferait ce genre d'approche. Prime doit protéger tout son territoire. Même si elle venait à être victorieuse sur un champ de bataille, elle perdrait du terrain sur les autres. Nos commandants sont toutes des valkyries sacrées. N'importe quel chef standard se ferait vaincre facilement par de force. C'est ce qui a forcé Prime à faire des copies d'elle-même et à se concentrer sur le fait de donner des ordres. Il est impressionnant qu'elle ait réussi à contrôler et organiser autant de copies. Mais cela veut dire que coordonner ses forces va devenir de plus en plus difficile. Bien entendu, nous avons nos propres challenges, difficultés. Si le pouvoir de Prime ne s'évanouit pas, et que nous sommes obligés de participer à une bataille ouverte, nos chances de succès seront plutôt basses sur le territoire ennemi. Alors on ne devrait rien faire d'irrationnel. C'est un équilibre délicat qui est mené au niveau du pouvoir ici. Oui, madame. C'est ce qui vous rend si importante, Dame Amali. Je dois attirer les forces de Prime ailleurs afin de créer une opportunité pour attaquer. C'est vrai. Lady Sophie sera le moment parfait pour attaquer. C'est une grande responsabilité. Je crois en vous, Lady Amali. Merci, je ferai de mon mieux. Oh là là. Il croit en nous, c'est beau, mais j'ai peur pour notre petit secret, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le petit secret. Oh non, je l'ai pas eu. Si, j'ai eu. Oh, Je l'ai bouffé. Comment l'XP? Ah. Okay. Allez, allez, tous les projectiles. Haha. Petit épique.
Oh, 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 oh. Oh oui. Merveilleux. De la bonne purée insecte champignon. On est fan à la rédac. Alors, visiblement ici c'est un monstre épique. Bon, quitte à être là, on va se le faire. Hein. Pourquoi hésiter? Attention, même si j'ai de bonnes protections, à mon avis, one shot. Même si je commence à avoir pas mal de vie aussi, hein, mine de rien. On se rapproche des 900 points. Le petit bâtard. Nice. Un petit peu d'épique, ça fait plaisir. Et puis un petit peu d'XP aussi, hein. On en est à la moitié du niveau 41. La carte. Oui, par le sud. Fuis! Fuis pour ta vie! Ok, nice. Allez, le tap top. Nice. Petit bâtard. Son ventre à tête chercheuse là. C'est pris pour Gragas. Oh! Oh! Pignata épique! Tu es à moi! Triple épique! Merveilleux! Fuis! Fuis pour ta vie! Ok, un bon groupe! Ah, j'ai vraiment loupé avec mon play là! Ah, déception! Déception d'un homme! C'est cadeau, on apprécie. Oh là, destruction totale. Oh, j'ai failli one shot. J'en suis au stade où je suis sur le point de one shotter les golems. Ah, c'est merveilleux. Le respect est mort. Oh, viens là, toi. Oh, viens là, toi. Ah, bâtard. Dis ça, moi. Ah. Il y en a un qui rigole zéro, là. Ah, lui, je le one-shot pas. Hein. On n'en est pas encore là. Hein. Fuis pour ta vie. Ok. Non, 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 non. Ok. Ah, parce que le cinquième coup de marteau, il prend son temps hein, pour venir. Okay, nice.